Bonjour à tous. Alors, Sandrine de Belsis, je suis présidente de l'association 1-2-3-10 pour les enfants dyspraxiques sur la région Rhône-Alpes et je représente ici toutes les assos 10 du Rhône, aussi bien dysphasie que dyslexie, que les APAGE que vous avez entendu, je suppose, au niveau de la conférence. À mes côtés, alors comment ça avance ? Le docteur Isabelle Suarez-Boucaud, qui est médecin pédopsychiatre, je ne me trompe pas. Le docteur Odile Gwens, qui est médecin de la PMI du Rhône. Et enfin, Samar Antoun, qui est directrice d'une école maternelle sur Vaux-en-Velin. Voilà. Elles se présenteront plus précisément quand je leur donnerai le micro. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour commencer, d'abord, je vais m'assurer que vous êtes tous dans le bon atelier, c'est-à-dire le repère et le diagnostic. Alors, pour ça, on va faire un petit jeu d'abord, tout petit. Allez-y. Alors, je vais demander à chacun d'entre vous d'observer attentivement les personnes qui sont autour de vous. Et ma question va être la suivante. Dans ce groupe d'individus qui est autour de vous, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, auriez-vous repéré un ou plusieurs intrus ? Alors, pour ceux qui n'en auraient pas trouvé, qu'est-ce qui vous a manqué ? Peut-être quelques précisions dans la consigne que je vous ai donnée. Peut-être un critère aussi de sélection que j'aurais imposé. Ou alors un sens tout simplement à ce qu'on vous demandait de faire. Ou alors c'est juste le doute qui vous a emparé et qui vous a inhibé. Vous ne saviez plus ce que vous deviez faire. En revanche, pour ceux qui ont trouvé un intrus, ou plusieurs intrus, je vais vous demander maintenant de poser une étiquette sur les intrus que vous auriez trouvés, pour les mettre dans une catégorie. Peut-être que l'intrus, pour vous, c'était celui qui avait, je ne sais pas moi, qui était blond, à lunettes, qui n'avait ni crayon ni papier pour suivre la conférence, et ça vous a paru un peu suspect. Ou alors celui qui a un ordinateur, justement. En revanche, est-ce que les uns et les autres, vous auriez repéré des personnes 10 ? Vous savez, ces personnes qui dysfonctionnent. Parce qu'on les dit invisibles, normalement. Alors, si vous les avez vus, vous êtes très forts. Effectivement, parmi vous, il y a peut-être des personnes dyspraxiques, dyslexiques, dysphasiques, dyscalculiques, dysexécutifs. Des 10 dont on parle un petit peu de temps en temps, précisément aujourd'hui, toute cette planète des 10, des personnes pour qui il est encore difficile d'automatiser certains gestes de la vie quotidienne ou d'utiliser le langage oral ou écrit de manière fluide et appropriée, ou alors de planifier, d'organiser un travail, des personnes qui sont fatigables, car pas reconnues dans leurs difficultés, qui ont du mal à mettre en place des compensations, et des stratégies de contournement efficaces qui pourraient alléger leur parcours ou qui pourraient aussi les décharger d'une certaine surcharge cognitive. Tout cela, ça peut les conduire, toutes ces personnes-là, à se déprécier, à douter d'elles-mêmes et parfois même à nier même qu'elles ont un handicap ou en tout cas des situations qui les mettent en handicap.
parce que les médecins ici présents vous prescriront sans doute qu'il s'agit souvent d'un défaut de maturation d'un mécanisme cérébral spécifique, mais que tout le reste, normalement ou a priori, en tout cas après diagnostic, fonctionne, ou en tout cas devrait fonctionner. Voilà. Il y a d'autres paramètres souvent qui viennent en jeu et qui viennent un petit peu noircir, ou en tout cas ne pas faciliter le tableau du diagnostic, aussi bien pour un parent que pour un professionnel. Donc, un intrus, un handicap dit invisible, parce qu'on va voir qu'il n'est pas si invisible que ça. Alors, toutes les questions qu'on pourrait se poser autour de ça, voilà. Quand repérer, quoi repérer, qui repérer, comment, sur quels critères, et qui repère, pour qui, pourquoi. Un diagnostic, mais fait par qui et quand, à quoi ça sert, et est-ce qu'il est vraiment nécessaire. Effectivement, difficile de voir clair, mais quelle lueur quand la lumière apparaît. Parce qu'il y a souvent un grand brouillard au début des premières années du développement de nos enfants. Bienvenue donc dans ce monde merveilleux de recherche, de doute, de questionnement, de début de réponse et d'aventure humaine incontestablement enrichissante. Alors, 1 ou 10 personnes autour de tous nos enfants, nous allons voir effectivement qu'au travers des témoignages de vécu de professionnels, identifier de qui dépend le repérage, de qui dépendrait le dépistage, le diagnostic et sur quoi tout cela repose. Qui des parents, de l'enseignant, du médecin de famille, du CMP, de la PMI, du pédiatre, des paramédicaux, du neurologue est le plus à même d'aider la personne au trouble 10. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal de personnes citées et peut-être que j'en ai oublié. Alors effectivement, on pourrait se dire que tous, à la place où nous sommes tous des experts. Nous avons vu donc que pour repérer quelque chose, il faut savoir d'où l'on part, ce que l'on cherche, où l'on va et ce que l'on va comparer. Donc c'est pour expliquer qu'effectivement, chacun dans la position où nous sommes, parents, éducateurs, enseignants, médecins, chercheurs, il nous faut à tous avoir quand même une certaine connaissance des normes pour repérer les signes d'alerte de dysfonctionnement. Alors effectivement, on pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'une norme, mais dans la vie de tous les jours, il y en a. Et on peut difficilement passer outre malgré tout. Voilà, donc dans chaque secteur, hein, et je pense que en première ligne, donc, les parents. Les parents et le milieu environnemental, les structures de la petite enfance, les enseignants maternels. Et tous, à notre niveau, on va essayer de comparer. Certains, dans leur métier, vont avoir une batterie de tests, vont faire des évaluations. Mais tout cela, qu'on soit parent, nous, on va comparer avec le petit voisin, le frère, l'aîné. Hein. On va toujours le faire en fonction d'une tranche d'âge, a priori, à laquelle les enfants appartiennent, à un instant T. Alors, effectivement, c'est une base de départ. Après, il y a d'autres facteurs qui viennent s'ajouter au tableau. Mais il faut bien partir de quelque chose. Voilà. Les parents, donc, qui vont être les premiers concernés, hein, puisqu'il s'agit quand même de nos enfants, qui vont faire ces premiers signes de repérage avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont vécu, avec ce qu'ils savent. Et encore une fois, et je pense qu'on l'évoquera au cours de la table ronde, quand on le peut, parce qu'effectivement, il y a quand même des parents qui ont des difficultés à pouvoir repérer un minimum de choses chez leurs enfants. Alors, qui va prendre le relais? Est-ce qu'il y a des personnes pour le faire? Quant aux parents, ça peut être aussi effectivement une fratrie. Hein, le fait de comparer avec d'autres enfants, des membres de la famille ou des amis. On va repérer non seulement les difficultés, mais aussi les compétences. Et on encourage les parents à regarder les compétences parce qu'elles sont quand même essentielles pour la suite du parcours, puisque c'est sur celles-là qu'on va s'appuyer essentiellement pour faire avancer nos enfants et en tout cas en faire des enfants, des jeunes adultes et des adultes épanouis par la suite. Et que là encore, il faut partir de quelque chose. Donc partir de ce qui marche, de ce qui fonctionne, c'est quand même important. Sauf qu'on sait aussi que sur les troubles 10, parfois, le fait d'ignorer, de ne pas reconnaître, de ne pas avoir compris, ça masque un certain nombre de choses et qu'ensuite, il est extrêmement difficile
de savoir sur quoi on va pouvoir s'appuyer. On peut être parent, mais on peut aussi exercer un métier dans la vie de tous les jours. Ça peut être aussi quelque chose qui nous permet hein, d'identifier certaines choses. On peut lire aussi en tant que parent, on peut s'instruire, on peut connaître des choses sur le développement de l'enfant, on peut s'intéresser aux recherches. Et puis, beaucoup de personnes, aujourd'hui en 2011, s'appuient quand même sur l'incroyable outil qu'est Internet. Alors effectivement, il y a plein d'informations, sauf qu'ensuite, il va falloir faire le tri. Et que parfois, on a du mal, seul, à faire le tri. On lit beaucoup de choses, on voit défiler les choses sur, sur l'écran et on se dit, oh là là, c'est ce qui nous attend. Attention, ça peut être aussi dangereux. C'est-à-dire qu'après, il faut quand même se recentrer sur notre enfant, hein, avec sa vie, son contexte. Et du coup, c'est quand même l'enfant qui est au cœur de la problématique, là. Hein. Il est différent, mais il est une personne à part entière. Il est unique, il est personne avant tout. Et que parfois, c'est difficile de ne plus le voir que sous la porte, ou en tout cas sous l'angle 10 de dysfonctionnement. C'est dangereux et ça peut faire beaucoup de mal. Voilà. Alors, tous ces ingrédients, c'est-à-dire repérer, diagnostiquer, tester, faire bilanter, suivre, accompagner, c'est des mots qui peuvent faire peur. Hein. Et puis, c'est difficile d'avoir un regard unique. Donc, on encourage, et ça se fait de plus en plus quand même, en 2011, hein, les regards sont souvent croisés, de plus en plus. Ça demande une synergie des acteurs, c'est-à-dire que tout le monde puisse échanger sur l'enfant, autour d'un enfant. Et pour que l'on puisse échanger sur un enfant, sur les repères, sur le diagnostic, il faut que tout le monde ait confiance dans les personnes qui entourent nos enfants et que nos enfants aient confiance dans l'équipe qui est en train de se mettre en place autour de lui. Alors, imaginons que l'envie de comprendre, de rassurer, d'accompagner au mieux est le sentiment qui nous anime. Hein ? Que faire ? Où va-t-on aller ? À quelle porte on va pouvoir frapper? Alors on frappe, la porte s'ouvre. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce la seule? Est-ce que ça va être la dernière? Que cherche-t-on? Parce qu'on parle souvent quand même du parcours du combattant. Alors, pour finir quand même avec le rôle du parent dans ce repérage, est-ce que nous, parents, nous étions préparés à ce parcours du combattant? Alors bienvenue dans ce nouveau monde, parce qu'effectivement, au fur et à mesure, nous allons découvrir qu'il se cache derrière toutes ces problématiques 10, des sigles, hein, qu'est-ce que la PMI, qu'est-ce qu'un CMP, qu'est-ce qu'un CMPP, qu'est-ce qu'un centre de référence, puis ensuite il y a des gens qui gravitent autour, qui travaillent, il y a des ergots, il y a des psychomotriciens, des orthophonistes, des orthoptistes, j'en oublie, des psychologues, psychologues cognitifs, psychologues cliniciens. Voilà, il va falloir faire du lien, hein, comprendre qui fait quoi et pourquoi ils le font. Donc il va falloir qu'on surfe hein, entre tout ça, parce qu'effectivement, chacun y va de ce qu'il sait. Et que nous, parents, il va falloir un petit peu qu'on voit les signes d'alerte, qu'on repère, qu'on suive le dépistage, qu'on suive le diagnostic. Puis ensuite, il y a quand même l'accompagnement, c'est-à-dire qu'une fois que tout ça est fait, repérage, dépistage, diagnostic, qui accompagne, comment ça se passe, quels aménagements pédagogiques au niveau scolaire, comment on va constituer un projet personnalisé de scolarisation, hein, ce PPS, ça fait partie aussi de ces cibles que l'on découvre, et tout ça pourquoi ? Pour que un projet de vie soit établi pour nos enfants. Qu'est-ce que deviennent nos enfants, où ils vont, et comment on peut les aider pour qu'ils grandissent au mieux, parce qu'au fond, c'est ce que tout le monde souhaite. Alors, on a dit les parents, hein, en toute première ligne, et puis ensuite, effectivement, au niveau du repérage, la maternelle, où il se joue beaucoup de choses. Hein, donc on va laisser la parole à Samar Antoun, qui, au travers de son vécu d'enseignante et de directrice, va un petit peu nous expliquer ce qu'elle a vécu. Hein. Bonjour à tous. Donc, je suis Samar Antoun, je suis professeure des écoles et j'ai commencé ma carrière dans l'éducation nationale il y a exactement 20 ans. J'ai commencé à Vemblin, j'y suis encore, et depuis 4 ans, j'ai commencé même à enseigner en maternelle depuis il y a 20 ans et j'y suis aussi.
et j'ai pris la direction de mon école maternelle, il y a 4 ans. Donc à l'école, nous ne sommes pas en mesure, nous, de déterminer si un enfant a des troubles 10 ou non, parce que nous ne sommes pas compétents pour établir un diagnostic. Par contre, nous avons des signaux d'alerte qui nous interpellent. Alors ces signaux d'alerte nous interrogent, et en fait ils sont liés surtout aux attitudes scolaires. Et cela, nous sommes capables de les détecter dès la première scolarisation des enfants, dès leur entrée en petite section de maternelle, surtout à travers le langage oral et à travers le geste. Pour ce qui concerne le langage écrit, par contre, c'est plus repéré en cycle 2, c'est-à-dire à partir de la grande section de maternelle. Alors, ces premiers signes d'alerte, en fait, nous permettent de mettre des choses en place dans les classes et dans les écoles, de nous permettre de mettre des mesures de soutien. Et il faut cependant ne pas s'alarmer trop vite, parce qu'il y a des enfants qui prennent plus de temps que d'autres pour apprendre à lire, pour s'exprimer, pour écrire, pour effectuer certaines tâches. Donc en fait, on parle plutôt dans ces cas-là de retard, et ce sont plus des difficultés transitoires. Par contre, il y a tout de même des signes qui nous interpellent, surtout en ce qui concerne le langage oral. On peut s'interroger lorsqu'un enfant de 3 ans, de 2 ans et demi, 3 ans, quand il rentre à l'école, lorsqu'on ne comprend pas ce qu'il dit, lorsque ses propos sont inintelligibles, lorsqu'il a de gros troubles articulatoires, quand un enfant de 4 ans en fait, nous fait des phrases du genre « il joue, poupée-moi », voilà, ce sont des petits signes qui nous interpellent. On peut aussi s'interroger lorsque l'on voit que l'enfant a envie de parler, mais qu'il ne trouve pas les mots pour s'exprimer. Lorsqu'un enfant de 6 ans a des troubles de conscience phonologique, lorsqu'il a un retard de langage ou un retard de parole. Lorsqu'il y a un trouble de compréhension et qu'on se rend compte que pour que l'enfant comprenne, on a besoin soit de lui faire des gestes, soit d'utiliser des pictogrammes, ou lorsqu'il faut lui montrer. Donc toutes ces petites choses nous interpellent et sont des petits signaux d'alarme. Concernant le geste, on s'interroge lorsqu'on observe de la fatigabilité, comme disait Sandrine, ou de la lenteur dans les tracés, quand l'enfant tient mal son outil scripteur, malgré tout ce qui a déjà été mis en place dès la petite section. Donc voilà, ce sont des petits signes. On observe aussi, lorsqu'on observe des difficultés dans la structuration spatiale, quand un enfant fait des puzzles, lorsqu'on voit qu'il a des difficultés, ou lorsqu'il a des difficultés récurrentes dans le découpage, dans le collage, dans le coloriage, ou lorsqu'il fait des jeux de construction. Donc voilà, ce sont des petites choses qui nous interpellent. Alors, le problème, c'est que nous, à Vaux-en-Velin, on a deux autres difficultés qui se rajoutent à toutes ces dépistages. En fait, Vaux-en-Velin est classé en zone éducation prioritaire, et nous accueillons beaucoup d'enfants d'origine étrangère, qui viennent soit du Maghreb, soit de l'Afrique, soit des pays de l'Est, de Mayotte, de Comores, beaucoup pour l'instant sur Vaux-en-Velin. Et donc ces petits bouts que nous scolarisons, lorsqu'ils arrivent donc à 3 ans pour la première fois, ils n'ont vraiment pas baigné dans la langue française. Chez eux, on ne parle pas du tout le français. Donc lorsqu'ils arrivent chez nous, ils présentent soit un manque, soit un retard, soit une pauvreté dans la langue française. Donc là, ce sont juste, voilà, on parle de... Le bilinguisme est un retard classique dans l'acquisition du langage. Et nous avons aussi quand même un pourcentage... Un petit pourcentage, mais quand même, je veux dire, qui nous interpelle tout de même, certains de nos élèves manquent de stimulation éducative, soit pour des raisons socio-économiques défavorisées, soit parce qu'ils ont un environnement familial peu stimulant, ou tout simplement pour des raisons culturelles. Il y a des familles qui viennent de pays où on n'a pas l'habitude de jouer avec eux, ou, voilà, de passer du temps, de raconter des histoires, donc voilà. Donc malheureusement, dans ces cas-là aussi, on a des difficultés à savoir si les retards de langage est dû à des troubles 10 ou à d'autres problèmes de santé, ou si c'est juste parce qu'ils n'ont pas les conditions favorables. Alors une fois que nous avons repéré ces difficultés, nous les enseignants, la première chose que nous faisons, c'est que entre nous, enseignants, nous en parlons, nous croisons nos inquiétudes et nos réflexions. Et si on voit que les difficultés persistent, la première chose que nous faisons, c'est de nous adresser aux parents.
Donc nous prenons le temps de discuter avec eux, de voir si les parents ont remarqué quelque chose, s'il y a des choses qui ont déjà été mises en place avant que l'enfant n'arrive à l'école. Et nous leur demandons aussi ce que pensent, bien entendu, les pédiatres ou les médecins de famille, puisque c'est bien eux qui étaient les premiers en contact avec les enfants après les parents. Alors, après avoir parlé avec les parents, nous nous tournerons aussi vers des partenaires. Nous avons la chance, nous-mêmes, d'avoir un bon nombre de partenaires. Alors, les premiers partenaires que nous avons sont les médecins de PMI, parce qu'effectivement, à l'école maternelle, la PMI fait un bilan obligatoire pour tous les enfants de 3 ans. Et donc, lorsqu'ils font ce bilan, dans un premier temps, seul avec l'enfant, puis après en présence des parents, ils ont des petits tests qui font que, voilà, ils peuvent déjà faire un premier repérage. Donc la PMI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Centre de protection maternelle et infantile. Pour les enfants qui sont plus âgés, donc pour les enfants de grande section, et plus particulièrement pour les enfants qui ont plus de 6 ans, nous nous tournons vers le médecin scolaire. À la différence de la PMI, le médecin scolaire, en fait, est sous l'autorité de l'Éducation nationale. Donc il y a le médecin scolaire et l'infirmière scolaire. Parmi nos principales missions, le médecin scolaire réalise des bilans de santé obligatoires pour tous les enfants de 6 ans. Ça se fait soit en grande section, soit en début de CP. Après, donc, une fois que le bilan a été fait, nous avons un retour de ce qui a été conseillé aux parents, de ce qui a été préconisé. Lors de ce bilan, il y a un dépistage systématique qui permet d'identifier les enfants qui sont atteints d'un trouble du langage. Et parfois, cela vient renforcer ce qui a été déjà constaté par la PMI lors du bilan de 3 ans. Nous avons aussi d'autres partenaires, le RASED, qui est le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Leur mission est de fournir des aides spécialisées à des enfants en difficulté dans les classes ordinaires, donc dans les classes maternelles et primaires et élémentaires, ce à la demande des enseignants. Parfois, ils interviennent dans les classes, parfois, ils prennent les enfants et... Donc ils sont pris en individuel ou en petit groupe à l'extérieur des classes. Donc le RASED comprend des enseignants spécialisés chargés des aides à dominante pédagogique. On parle de maître E, donc cela concerne les difficultés d'apprentissage. Il y a aussi des enseignants spécialisés chargés des aides à dominante rééducative. On les appelle les maîtres G. Donc ce sont des enseignants qui sont plutôt concernés par les difficultés d'adaptation à l'école. Et il y a aussi, dans les RASED, des psychologues scolaires. Aussi, il y a un bilan et ils nous font un retour sur ce qui peut être proposé pour ces enfants ou alors ce que eux peuvent proposer pour ces enfants. Malheureusement, sur Bourg-en-Velin, j'en profite, ils sont peu nombreux, disons, ils sont surchargés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont signalés et malheureusement, ils sont obligés de faire un choix. Qui est très difficile pour eux, qui est très culpabilisant pour eux. Et voilà. Je sais qu'il y en a dans la salle, donc je remercie déjà. Et nous avons. Sur Lyon, il y a beaucoup d'écoles qui ne profitent même pas du RASED. Hein. Enfin, on n'en a même pas. Ah bah, donc nous avons la chance d'en avoir. Vous avez encore. Voilà. Voilà. Alors, parfois, nous nous permettons d'envoyer les parents, donc les parents des élèves. Vers les orthophonistes. Alors les orthophonistes, eux, se chargent de faire un bilan et c'est eux qui décident s'ils mettent en place un accompagnement ou pas. Donc voilà, nous faisons juste le lien, nous les envoyons. Et ils ne peuvent pas être envoyés chez l'orthophoniste directement. Non, normalement, oui, effectivement. C'est obligatoire. De préciser, voilà, parce qu'il faut. Vous pouvez penser qu'un enfant a besoin d'orthophonie, et nous, en le voyant en bilan de 3-4 ans, on peut penser que c'est peut-être pas la première indication, qu'il y a d'autres indications à faire, de l'ordre d'un CMP ou d'un avis neuro ou autre chose. Donc, je pense que ça, c'est important à redire pour qu'ensuite le suivi et le travail soient faits de la façon la plus efficace et profitent le plus à l'enfant. Merci. Et parfois aussi, nous dirigeons les familles vers le CMP. Comme pareil, idem, nous ne prenons pas la décision nous-mêmes. Nous faisons des équipes éducatives. Donc c'est la première réunion qui réunit en fait les parents, les enfants en difficulté, tous les partenaires, tous les intervenants auprès de l'enfant, tous les spécialistes, les professionnels. Et après, lors de cette équipe éducative et des équipes de suivi qui font suite, on prend la décision, on propose aux parents, on les oriente vers le CMP.
pour qu'il y ait, donc le CMP, c'est le centre médico-psychologique, qui aussi a pour mission, alors je préfère vous dire exactement ce qu'il est dit, c'est un lieu d'accueil de toutes les demandes de soins, d'orientation et de renseignement. Et donc là aussi, il y a un bilan qui est fait, que je vous passerai. Donc, étant psychiatre, praticien hospitalier temps plein, les CMP, ce sont les centres médico-psychologiques, en particulier celui de Vaux-en-Velin, qui dépendent des intercepteurs de psychiatrie infantile, qui dépendent en particulier de l'hôpital du métier, donc celui de l'équipe de Vaux-en-Velin à laquelle vous êtes rattaché, je ne sais pas si vous êtes rattaché, où vous référez vos enfants, qui sont sur ce secteur géographique-là. Donc en gros, c'est la pédopsychiatrie publique, ce sont des soins gratuits, et vous trouvez des médecins pédopsychiatres, des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciens, je ne sais pas qui j'oublie, des éducateurs, des structures, des assistants sociaux, des assistants sociaux, mais ce sont des structures de soins pédopsychiatriques, c'est quelque chose de bien spécifique. Donc on ne réfère pas un enfant en CMP comme ça, je dirais, il faut que ça passe, à mon sens, par un avis médical. Mais dans les équipes éducatives, nous avons, selon l'âge de l'enfant, soit le médecin de PMI qui est présent, soit le médecin scolaire. Voilà. Et donc, effectivement, ce n'est pas nous, les enseignants ou les directeurs, qui nous permettons de diriger les enfants et leurs familles vers ces centres, vers ce type de soins. Il faut l'aval des parents. Ah, obligatoirement. Qui peut être un bien et parfois un frein. Mais en tout cas, ça passe aussi par les parents. Obligatoirement. Ce sont les parents qui décident s'ils sont partie prenante ou pas. Alors, parfois lors de ces équipes éducatives, on peut proposer aux familles des PPS, on en parlait tout à l'heure. Donc ce sont des projets personnalisés de scolarisation. Qui se font auprès de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, cela afin de mettre en place des aménagements de scolarité ou d'étudier des orientations. Bien entendu, un des objectifs de ces équipes éducatives est d'aider l'entourage à comprendre que ces retards et ces difficultés scolaires ne sont pas dus à de la paresse ou à un manque de travail. Alors, j'aimerais quand même, ma dernière partie, voilà, conclure, de dire que nous, les enseignants, c'est vraiment déroutant et culpabilisant pour nous d'être confrontés aux difficultés des enfants 10, et qu'il y ait diagnostic ou non, comme vous disiez notre IA adjointe tout à l'heure, nous mettons de toute façon en place des aménagements pédagogiques pour les enfants qui ont des troubles 10 ou pour tous les autres enfants qui ont d'autres problèmes. Par exemple, on peut prévoir des activités plus courtes parce que les enfants seront plus facilement fatigués. On peut réduire la tâche, on peut faciliter la tâche, on reformule les consignes. Il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Voilà. Et je voudrais vraiment vous dire que nous avons vraiment, nous, à cœur d'accompagner les enfants et leurs familles, quelles que soient les difficultés, que nous pouvons compter sur l'aide de tous les partenaires qui sont avec nous, qui gravitent autour de nous. Et je voudrais aussi vous dire que, quelles que soient ces difficultés, nous essayons vraiment de faire en sorte que ces enfants ne sentent pas qu'ils sont différents des autres et qu'ils gardent confiance en eux. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Dr Woods du département du Rhône, donc du service de PMI. Et donc, j'interviens aujourd'hui au nom du service, puisque je fais souvent partie de groupes de travail sur les bilans de santé, les consultations. Et c'est vrai que dans le Rhône, on a la chance d'être un service de PMI qui est assez conséquent, avec beaucoup de personnel et vraiment réparti sur l'ensemble du département, ce qui n'est pas le cas dans tout généralement, et à l'école maternelle. Donc dans les consultations de PMI, on assure le suivi des bébés et des jeunes enfants qui comprennent entre autres le suivi de la motricité fine et globale, le développement du langage, les capacités sociales et le bon développement sensoriel. Dès cet âge, des troubles peuvent être suspectés et les enfants orientés en consultation ORL, pédopsychiatrique, chez l'orthophoniste et éventuellement dès 2 ans même pour un bilan ou pour une guidance parentale. Parce que dès 15 mois, par exemple, un retard de langage peut être suspecté. Et à ce moment-là, on commence déjà par donner des conseils aux parents. Parce que c'est vrai que c'est important d'utiliser un langage normal,
même pour les tout-petits, dans la vie de tous les jours, de nommer ce qu'on fait, de chanter des chansons, de dire des comptines, enfin, toutes ces choses-là qui paraissent peut-être évidentes pour certains qui ont déjà eu plusieurs enfants ou des expériences ou un niveau d'accès à l'écrit, à l'oral assez élevé, mais qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est important aussi d'assurer cette guidance parentale pour que les enfants développent leur langage le mieux possible. À l'école maternelle, donc, nous intervenons dès la petite section de maternelle. Les équipes de PMI qui sont formées de puéricultrices et de médecins donc, effectuent des dépistages. Le premier temps, généralement, comme vous l'avez dit, est effectué par des puéricultrices qui dépistent donc, les troubles du langage, les troubles du développement psychomoteur et de la personnalité. Donc, le début de troubles, évidemment. Donc 98% des enfants du Rhône bénéficient de ces dépistages dans les écoles maternelles publiques, a priori, dans certaines écoles privées, mais bon, ça dépend après des effectifs, des possibilités. Donc par exemple, tous les tests qu'on utilise ont été validés par des experts dans chaque... donc les ORL, les ophtalmos, enfin, on n'a pas pris des tests au hasard.